Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous nous retrouvons ici pour un témoignage puissant. Ceci que vous voyez là-bas, ne croyez vraiment pas en Dieu et ne croyez pas à toutes ces choses. Et pensez que c'était de la blague, c'était des histoires racontées. Elle vivait sa vie tranquillement. Et puisque elle était riche, donc elle faisait tout ce qu'elle avait envie de faire, voyageait, ouais, faisait des choses jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe malade. Vraiment, gravement malade. Au point où elle se retrouve à l'hôpital. C'est là que ses problèmes ont commencé. Et du coup, elle était tout de suite rentrée dans une souffrance. Au point où elle a souhaité mourir. Et c'est là que quelque chose va se passer. Écoutons. C'était le 6 mai, un dimanche, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais j'étais couchée dans ma chambre et j'étais sous respirateur, sous oxygène, sous respirateur, affaiblie, je ne pouvais pas marcher, rien. Et j'étais couchée sur la poitrine. Et j'avais la tête du côté pour que je puisse respirer, parce qu'avec le respirateur, ma chambre était toute noire. Je souffrais tellement. Je me suis rappelée des paroles que cette jeune dame a partagées avec moi. Il s'agit d'une dame, une femme, qui lui parlait de Jésus-Christ à chaque fois, mais elle n'écoutait pas. Que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils unique à la croix pour toi. Et tu peux être sauvée. Il n'est jamais trop tard et tout. J'ai dit, ok, dans ce cas, je ne vais pas. Ouais, d'accord. Si... D'accord. Alors, j'ai dit une chose. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Et j'ai dit, si Dieu, tu existes. Si Dieu, tu existes. Je suis fatiguée. Je n'ai rien fait de mal à personne sur cette terre. Si vraiment tu existes, alors je te demande qu'une chose, viens me prendre toi-même aujourd'hui, dimanche, en ce jour, je ne veux plus vivre. Je décide que tant que tu ne viens pas me prendre, plus personne n'entrera dans ma chambre. Vous voyez ça, vraiment, la maladie avait tellement dépassé le niveau qu'elle a désiré mourir maintenant. Même le fait que ce docteur lui a annoncé qu'il lui restait juste quelques mois à vivre, ça l'a rendue joyeuse parce qu'elle souhaitait maintenant mourir parce qu'elle avait trop souffert durant ces 4 dernières années. Je veux mourir maintenant. Je n'ai plus la force. Si tu existes, accorde-moi cette faveur. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux plus vivre. Je ne peux plus supporter ce mal. Prends-moi maintenant. Viens me chercher toi-même. Et j'ai appelé Dieu. C'est Dieu que j'ai appelé. Alors, je me suis assoupie. J'avais vraiment mal, donc je me suis assoupie. Et j'étais allongée sur le lit. Et tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit « Tu as appelé mon père ?» Je réagis pas parce que bon, je me dis peut-être quelqu'un est rentré dans ma chambre, j'ai dû entendre une voix ou bien je sais pas. J'entends une voix encore plus forte qui me dit, tu as appelé mon père. Je ne réagis pas. Étant donné que je n'avais pas la force de me lever toute seule parce que j'avais une infirmière qui s'occupait de moi, qui me permettait de m'asseoir, de me lever. J'avais pas assez de souffle même pour marcher. Donc, et là, je sens quelqu'un me tenir la main. La personne, au fait, je sens quelqu'un me tenir la main par l'arrière puisque je suis couchée sur la poitrine avec le respirateur et qui me tire et qui me fait asseoir et qui m'enlève mon respirateur. On était dans le noir, j'avais les yeux un peu flous, j'avais juste une petite veilleuse qui éclairait. Et j'étais comme ça, j'avais les yeux tout petits, je regardais, enfin j'ai dit, mais qui c'est qui ça? Mais c'est qui? Avec le peu de souffle, parce que je n'avais plus le respect, mais c'est qui? Il dit, tu as appelé mon père, je suis là. Et là, c'était Jésus-Christ, apparemment.
Je suis Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Tu veux mourir? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Jésus, et on attend le Seigneur qui lui dit, non, tu ne mourras pas. Oh mon Dieu. Seigneur. Et ce jour-là, il a imposé la main sur ma tête. Et il m'a dit, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Ce n'est pas un film. Ce que je vous raconte, c'est une réalité que j'ai vécue. C'est ma vie. Vous avez entendu ça? Et c'est de cette manière-là que Dieu guérit miraculeusement les gens. Reçois la vie. Ça veut dire qu'en ce moment, pendant qu'elle était malade là, que se passait-il? Ce qui se passait, c'est qu'elle pouvait voir le Seigneur parler avec elle, échanger avec elle. Et ce que le Seigneur faisait là, elle voyait tout. C'est-à-dire que ses yeux spirituels étaient ouverts, elle était connectée à lui, et tout se passait juste là devant elle. Et c'est là que ça se passe. C'est là que la guérison commence. Oui, Dieu commence déjà à vous guérir spirituellement avant que ça descende physiquement. Là, elle est sortie, là, elle est réveillée. Elle peut nous expliquer ça ici. Mais elle a vu, mais elle a vu. Mais elle a vu la main de Dieu. La main qui guérit. Elle a vu. Et elle peut témoigner. Et elle dit que ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vécu ça, donc je peux comprendre. À cet instant-là, j'ai senti un effroi dans mon... J'ai senti des changements qui ont commencé à se produire dans mon corps. J'ai senti que mon cœur, les battements de mon cœur ont commencé à ralentir. Parce que je faisais un rythme cardiaque normal et à 70, entre 70 et 80. Et là, moi, je montais jusqu'à 140 en permanence. Donc et la douleur a commencé à diminuer. J'ai pu ouvrir mes yeux et regarder et j'ai vu un homme qui était là. Je vais vous décrire ce que j'ai vu pour que vous compreniez un peu. J'ai vu un homme qui avait les cheveux bouclés, noirs, les yeux noirs, le teint basané. Et toutes les images que j'avais toujours vues de Jésus un peu partout, on nous montre un Jésus blond, aux yeux bleus. Et non, c'était pas ça. C'était Jésus qui était là devant moi, fils de Dieu vivant qui s'est présenté. Où est-ce que vous vous rendez compte? Une fille qui ne croyait même pas en Jésus-Christ, même quand les gens qui distribuaient la prospective de Jésus, de la parole de Dieu, tout ça venait chez elle, elle demandait à ses vigiles de les chasser, voire même de les soulever pour les jeter dehors. Aujourd'hui, c'est elle. Hein. C'est elle qui rencontre Jésus. Seigneur mon Dieu. Et il m'a dit, je te donne la vie. Mais le reste de ta guérison se fera à travers d'un de mes serviteurs. D'un de mes serviteurs. Et là, donc, il me donne des instructions. En fait, je ne savais plus si j'étais dans la réalité. Bien, il me dit, écoute. Il m'a dit, je t'ai donné la vie, mais ton corps a besoin de guérir. Donc, la dame qui te parle de moi depuis 10 ans, si tu l'avais écoutée, toutes ces souffrances te seraient épargnées. Mais tu m'as fermé ton cœur. Mais j'ai toujours été à la porte de ton cœur. Et tu ne voulais pas l'ouvrir. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit, cette jeune dame qui te parle toujours de moi, elle viendra dans 3 jours. Mais en général, cette dame, c'était un dimanche, donc ce qui se passait. En général, cette dame vient les vendredis. Dans la semaine qui a suivi, la dame a appelé le lundi pour dire que non, qu'elle ne pourra pas être là le vendredi, qu'elle doit aller au village, il y a un deuil, mais elle sera là le mercredi.
Donc 3 jours exactement, les 3 jours. Et il m'a dit, tout ce qu'elle va te proposer, accepte. Elle te conduira vers mon serviteur. Elle te conduira vers mon serviteur. Et c'est par lui que tu recevras le reste de ta restauration. Tu as reçu la vie, mais il te reste maintenant les restaurations. Mais je pense que si le Seigneur a voulu, je pense que le Seigneur a voulu me donner une leçon. Parce que j'ai jamais cru. Étaient des escrocs. Quand je voyais les églises évangéliques en train de danser, je ne comprenais pas qu'ils manifestaient leur joie. Pour moi, mais non, c'est comme les boîtes de nuit. Je connaissais rien, je connaissais tout du monde, mais rien de Dieu. Et donc, je pense que le Seigneur Jésus a voulu me donner une leçon. C'est vrai qu'il m'a redonné la vie, mais le reste, la santé, tout ça devait passer par son serviteur. Alors cette jeune dame vient le mercredi et elle me dit, écoute, ça, je vois que tu es dans un, tu, ça va pas et tout, mais je sens que tu vas un peu mieux aujourd'hui. Oui, je lui dis, je vais un peu mieux. Mais je lui ai rien raconté parce que je me dis, mais attends, si je raconte ça à quelqu'un, ils vont me prendre pour quelqu'un qui a perdu la tête. Déjà avec les médicaments qu'on me donne, on dit, mais elle a complètement perdu la tête, ça va pas chez elle. Et puis je lui dis, elle me propose, écoute, s'il te plaît, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as rien à perdre, accepte qu'on vienne prier pour toi. Waouh. Je lui dis, en riant, elle dit, si tu veux, même comme tu dis d'habitude, que si quelqu'un, si un homme de Dieu vient chez toi pour prier, tu vas le jeter par la fenêtre de ton immeuble. Elle dit, si tu veux, si on vient prier pour toi, si mon mari va venir prier pour toi, si tu es d'accord. Et si tu veux, tu peux, si tu n'es pas contente, tu peux le jeter, ce n'est pas un problème. Étant donné que j'avais reçu des instructions et que je commençais à me porter mieux et tout ça, je n'ai rien dit, j'ai souri. Je dis, il n'y a pas de problème. Un peu en langage ivoirien, elle est un peu mélangée. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais elle était agréablement surprise, mais elle a loué Dieu. Elle dit, merci Seigneur, tu as écouté mes prières, merci d'avoir touché son cœur. Oui, parce qu'elle chassait les hommes de Dieu. Et voilà. Donc cette jeune dame retenait bien qu'elle a passé 10 ans à m'évangéliser. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué à prier dans le secret pour moi. Elle n'a pas baissé les bras pendant 10 ans. Pendant 10 ans. D'accord. Et là, le lendemain, son époux, qui est le pasteur Mandé, vient chez moi et prie un peu pour moi. Il me parle aussi de leur père spirituel, le pasteur Salomon Hansa, qui est le pasteur de l'église La Fondation Vivante, dont je fais partie désormais. Je suis membre de La Fondation Vivante depuis 2016. Et je suis heureuse de faire partie de ce corps du Christ. Vous voyez ça? Elle n'y croyait pas, elle était comme une athée. Mais aujourd'hui, elle a donné sa vie à Dieu parce qu'elle a vu. Elle a donné sa vie à Dieu parce qu'elle a vu. Elle a vu Dieu l'opérer. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la maladie dont elle a été guérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que elle pensait même, elle souhaitait mourir, désirait mourir tellement sa souffrance était trop depuis 4 ans. Depuis ces 4 dernières années. Vous voyez, non? Quand elle s'est mise à prier, vous voyez, non? Elle a prié, elle ne croyait pas en Jésus-Christ, mais elle s'est dit, mais bon, comme les gens insistent, elle a dit, bon, si tu insistes, si Dieu, si tu insistes, vraiment, fais quelque chose pour moi, un truc du genre. Vous avez entendu ça? Et c'est là, elle a vu Jésus et elle a entendu, Zamalel, il faisait ce qu'il faisait. Tout ça, elle a tout vu. Quand quelqu'un qui est malade, quand quelqu'un qui est sur l'hôpital, voit une chose pareille, vraiment, la guérison vient par la suite. Parce que c'est Jésus-Christ qui est là. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Si, par exemple, si vous êtes malade, on ne sait pas, mais si vous êtes malade, le jour, on ne sait jamais. Mais vous allez voir que c'est ça la même chose. Ça dit, vous serez là.
Et ça va se passer soit en vision ou bien en songe. Vous allez voir tout ce que vous allez. C'est-à-dire, le Seigneur est venu vers vous. Je ne sais même pas comment utiliser les mots pour vous expliquer ça. Mais le Seigneur est venu vers vous. Vous serez la seule personne à le voir. Mais ce sera comme si vous êtes dans un profond sommeil, que vous êtes en train de rêver, un truc du genre. C'est un songe. Et il apparaît et il va venir vous toucher et vous serez guéri. Vous allez le voir vous imposer les mains ou faire quelque chose du genre. En tout cas, vous allez tout voir. Et c'est là la guérison miraculeuse va se passer. Moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est pourquoi je suis revenu à la vie. Sinon, il y a longtemps, mais j'étais déjà parti. Hein, parce que mes ennemis, c'est ça, mes ennemis. C'est ce jour-là, j'ai compris que vraiment, l'amour de Dieu pour nous est vraiment très, très extraordinaire. Mon frère et soeur, croyez, 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 Jésus est Seigneur. Priez quand vous êtes dans les difficultés. Dieu a un rôle à jouer pour vous sortir de vos problèmes. Arrêtez de porter tous vos problèmes sur votre tête. Déchargez-vous aujourd'hui devant Jésus, devant Dieu, dans la prière, et Dieu va beaucoup vous aider. Je vous donne rendez-vous par le film de vous. Soyez prêts.